je me sentais en harmonie avec mon corps, ce qui est assez rare. Respiration. Je pense que c'est, oui, c'est le mot qui résume le mieux ce que j'envisage dans le yoga. J'ai besoin de gérer mon stress, ça me permet de m'apaiser énormément, de me relaxer et ça fait du bien de se détendre. J'ai eu de la chance en fait de commencer, de me sentir tout de suite bien avec l'enseignant. Je sais que c'est parfois difficile de trouver quelqu'un qui corresponde vraiment à une façon de voir ou à notre façon d'être. C'est quelqu'un qui est très relaxé et ça, qui transmet un petit peu ça par sa façon d'être. Alors j'ai rencontré mon premier professeur il y a plus de 10 ans à présent et j'ai compris tout de suite le lien qu'il y avait très étroit entre le corps physique et le corps mental. Le yoga, je ne connaissais pas du tout, limite j'étais plutôt réticent et le fait d'essayer, et c'est vraiment là la clé du yoga, c'est de commencer à pratiquer. On ne peut pas comprendre sans pratiquer et sans se laisser aller dans cette discipline. Ce qui est important dans la découverte du yoga, c'est de comprendre petit à petit que nous pouvons être mieux en lien avec le monde extérieur en étant mieux en connexion avec son monde intérieur. Et tout le travail du yoga fait prendre conscience que, à l'inspire, l'air pénètre par les narines, nous remplit à l'intérieur d'énergie, d'oxygène, et à l'expire, l'air nous débarrasse du gaz carbonique, nous débarrasse des tensions, des fatigues, de toutes les contrariétés. C'est vraiment à l'écoute de ce phénomène naturel en nous que nous découvrons petit à petit cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur et la conscience de la posture du corps par rapport à son environnement. Prendre conscience aussi de la terre, du sol, prendre conscience de toute l'enveloppe de l'air tout autour de nous, prendre conscience des sensations à la surface du corps. Et puis, petit à petit, en affinant sa sensibilité, on prend conscience un peu plus du tissu musculaire, du tissu de déterminaison nerveuse, des organes internes. Et petit à petit, on affine sa connaissance, sa propre connaissance. Merci d'avoir suivi cette petite présentation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous aurez peut-être envie de faire le pas, vous aussi, de vous laisser convaincre par un enseignant, par un élève, par un professeur, par quiconque qui vous invitera un jour à participer à un cours de yoga. Laissez-vous tenter, débarrassez-vous de vos a priori et vous aurez tout à y gagner.